économique. Ça veut dire que toutes affaires nettes qui gagnent pour l'avenir, ils connaissent que dans le futur, proche, avenir par eux, ce n'est pas des joueurs de football qui pourraient arrêter l'autre semaine pour venir garder les papes de football encore, pour venir garder les chita bola. C'est des petits mouns qui sont bien formés, c'est des petits mouns qui sont à l'école, c'est des petits mouns pour que Haïti ait des mouns qui ont toute valeur qu'il faut qui représenter. Mes compliments pour nous, qu'on est comme avec nous, et j'aime te dire, matin, l'homme le premier ministre, moi dit PM, c'est pour nous à le recevoir Timonio pour nous faire surprise ça, pour nous sentir qu'il y a un monde qui a couru. J'aime qu'on ait que madame Moyen a demandé pour la dame pour recevoir la recevoir. Et d'ici jeudi, n'a pas l'air, m'a dit que ce n'est pas un show médiatique que nous venons faire là. Nous venons dire que Goleta jeudi, et me féliciter la fédération. Dadou Jean-Bac qui a fait un travail sérieux dans cette fédération, toute l'autre même fédération. Nous parlons courir la fédération pour que nous-mêmes nous jouions l'encadrement qu'il faut, équipe ça, pour aller avec nous jusqu'à la victoire finale. Nous connaissons dans la Coupe du Monde. Dans moi, pas doute là, c'est depuis qu'on y a pour nous commencer la préparation. Nous parlons de travail avec la fédération, avec le ministère Jeunesse Sport, pour que la préparation soit faite, pour que nous puissions représenter Haïti dignement. En 2018, là, en août 2018, la Coupe du Monde qui a fait en France. Moi, je me sens content et fier parce que moi, et les peuples haïtiens reconnaissants et les Benoît chaleureux, ça fait nous du bien et ça donne nous force, courage pour nous continuer à faire plus que ça nous souhaite faire. C'est ça. Les peuples haïtiens font pour moi, je me sens fier de ça en pile. Comment tu as vécu tout noir dans le pays de Trinidad? Nous devons focus sur la compétition, nous devons dire que c'est bien qualifié. Qualification nous vient d'air, ça va qu'empêcher nous jeunes, mais nous arrivons jeunes bien qualification. Nous avec tout ça au fait, nous ça va t'empêcher nous décourager. Yeah. Et c'est avec un sentiment de joie et de fierté que nous avons venu ici à la pour venir accueillir mesdames qui ont fait un grand exploit dans le monde là. Et ça que vous faites, n'est pas seulement pour Rennes là, c'est un bagage pour Haïti et pour même tout le pays qui est dans le Caraïbe là. Je crois que c'est un bel bagage que nous vraiment apprécions et nous sommes très contents aujourd'hui. Vous n'avez pas déplacé à Timounio, mais vous avez vivre Timounio. Comment vous avez senti? Je dis que ce n'est pas tout qui facile parce que déjà, nous voyons que U20 c'est une équipe qui est mélangée. Je dis qu'il y a une partie U17 et U20. Je dis que vous avez connecté l'équipe ensemble pour faire un seul. L'argent que nous avons gardé le Kounia là, ce n'est pas tout facile. Mais nous avons gardé dans Mesdames Sayo, ouais, en pile engouement, ouais, en pile détermination, en pile envie. Pour avancer, et exposé de fait déjà même, par rapport avec le sacrifice que vous avez fait, mais je dis à la nous jeune. Opportunité à que nous-mêmes, dans le pays, nous sommes contents. Déjà, Renchan, vraiment fier de vous-même, et moi-même, fier de vous tout. Je crois que ça, c'est un souple pour nous-mêmes, c'est des potes qui vont l'ouvrir pour eux-mêmes tout. Parce que vous avez plus de visites en U17, U15 ou U12 pour que nous fassions un travail qui est plus ou moins rationnel afin que nous soyons capables de faire ça qui fait jeudi. Là, vous avez une chance. Moi-même, c'est pour me dire, moment match à jouer et moment que le résultat vient de jouer, c'est pour me dire, mettre deux genoux matin, prier et me crier. Parce que mes amis, il faut que les Haïtiens aient courage. Oui! Femme haïtienne, gen courage. Soleil chaud, c'est nous. Problème, c'est nous. Misère, c'est nous. Douleur, c'est nous. Et pour où est-ce qui condition, jeune grenadier, ça y est, à l'allou, pocket fierté, pour te battre chaque grenadier haïtien. Ni moi-même, ni vous-même, ni haïtien qui vivent en Haïti, ni haïtien qui vivent à l'étranger. Je dis, je te vle présent. Je te fais diligence, malgré mes invités du jour, dans diligence liée dans Radio Télé-Guinée, je te assure que je suis présent, parce que je te vle bail. Un signal clair à jeune femme ça yo pour me dire honneur et mérite pour yo. Li pas facile et me devler à côté ministre condition femme nan k'ap goumé k'ap lutté avec toute organisation de base yo, toute militante yo, toute organisation socio-professionnelle pour capable changer figure ça relé leadership féminin en Haïti. Jodi an équipe grenadier là prend visage.
secteur économique pays virer jour garder sport garder monsieur dame sport yo. Et ça qui fait me plaisir n'est il y a ces femmes quartier Morin. Quartier Morin sont communes du département du Nord et m'ta dit tout actuellement moi j'ai équipe Real qui Trinidad et Tobago dans compte CACAF. Ça veut dire le Nord donne le ton et que tout reste département enclenché pour que le pays en son entier capable d'avoir une image dorée à partir du sport, particulièrement du football haïtien. Nous sommes bâillés en réponse. Quand est-ce que des jeunes femmes qui âgées de moins de 20 ans, sont fait battre, sont fait plus grande puissance du monde fait battre, je ne dis. Et je ne dis, moi, c'est une fierté que lié pour moi. Parce que nous dit que changement d'Haïti, décidément, tout le monde est capable de dire, ce n'est pas femme que la passé, je ne dis. Je ne dis, mesdames, ça, je ne dis, je fais ouais, Toya. Je fais me songer Sanit Belair, je fais me songer Catherine Flon, parce que je dis, hein, je fais que Haïti, drapeau nous flambait, flottait bien loin, et je dis, hein, je suis fixé sur nous-mêmes, et je dis, hein, non, jeune Timoun Sayo, marqué en lettres d'or, désormais dans l'histoire d'Haïti. Et nous gagnons comme femmes, nous-mêmes femmes, je dis, hein, nous appeler comme sénatrice là pour nous accompagner dit que tout le monde en général jodi en c'est solidarité tête ensemble mais dans la main tout le monde doit mettre tête ensemble pour faire pays en marché il y a content mais surtout également remercier effort fédération haïtienne football là féliciter Monique André féliciter Dadou Jamba féliciter mon cap entraîner yo mon cap encadrer yo les familles aussi parce que nous connaît que si on arrive là c'est à Zonglio. Et ça nous te vle dit, c'est que l'important pour que nous avions, je dis à yo gagner, demain yo ka pas gagner, mais il faut toujours être avec elle, être avec les nos équipes de football. Et c'est ça qui est important parce que très souvent, l'on parle avec yo, yo dit si yo perdu, personne ne vient les accueillir. Or, n'importe qui équipe Paris Saint-Germain, que yo perdu, que yo gagné, yo remet yo, tout simplement. C'est culture ça pour nous développer le pays nous pour que un pour nous remettre équipe nous pour nous fidèles à nous-mêmes que nous gagnons que nous perdons et puis que l'État capable prend des engagements pour que nous gagnions des moyens parce que c'est vraiment à Bouxong que nous arrivons côté
coopération et pour nous venir en appui avec nos différentes commissions, etc. Donc, on connaît son nouveau bureau et comme le veut la coutume, donc ça a été une visite d'amitié pour explorer des pistes de coopération. Donc, nous en avions exploré et dans les prochains jours, on va continuer à collaborer avec l'ambassade du Canada et avec l'ambassadeur Frenette qui est un bon ami d'Haïti. Vous savez ce qui est en train d'être fait ici. Donc, nous avons un ensemble de textes de loi qui concernent la réforme pénale, qui concernent l'équité de genre. Donc, un ensemble de points qui, je dis, qui sont des points et d'ordre et mondial, si vous voulez, qui intéressent tout le monde. Donc, au niveau du Parlement haïtien, donc, nous travaillons avec nos différents partenaires sur le point SAO et l'ambassadeur du Canada, donc, Cap. Piloter coopération avec le Parlement, donc il peut maintenant appuyer sur les différents points d'intérêt national. Bien dit, nous avons une bonne rencontre ce matin, une rencontre entre amis pour parler de la coopération canadienne et parler de la relation d'amitié qui existe entre le Canada et Haïti. Le président a partagé ses idées sur les priorités, ses priorités en tant que président. Et nous avons eu l'occasion de parler justement de la coopération canadienne. Alors, une bonne visite. Visite de courtoisie ce matin entre deux très bons amis. Je pense qu'il y a lieu d'explorer davantage la coopération qui pourrait exister entre les deux parlements. On va assurer des suivis à cet égard-là, mais deux chambres de parlement qui puissent se parler, qui puissent coopérer davantage, je pense que ça serait utile. Oui, donc j'ai eu la rencontre la semaine dernière et la rencontre aujourd'hui, si c'est de ça que vous parlez. Là, oui, d'accord. Et donc ça a été essentiellement la même chose. Donc avec le président, les deux présidents de chambre, nous avons parlé de la profondeur de les relations qui existent entre nos deux pays et certaines idées sur comment approfondir la coopération. D'abord, il faut dire que les présidents du bloc travaillent sur un consensus politique qui est rejoint. Et le consensus politique-là permet que les présidents de commission qui sont connus désormais à la Chambre des députés, les quatre blocs représentés ont soumis leur président de commission. Donc, disposition ça prend pour nous avancer. Donc, au cours de la séance, il y a un peu de droit qui a été soutenu par les collègues Bossé, collègues Manès, collègues Luméran. Donc, les points de droit fait nos séances, bureau n'a pas passé outre de points de droit. Donc, nous soutenons, nous appuyons points de droit que les collègues ont fait. Nous voyons président de bloc, président de commission, à compléter le bureau. Mais désormais, les présidents de commission sont connus à la Chambre des députés. Pas de points de droit qui est fait pour que le bureau commission soit complété. Donc, après, le président, il y a des autres membres qui sont dans le bureau commission. Donc, nous demandons des députés, vous pouvez aller avec le premier secrétaire pour compléter le bureau. Donc, bon point de droit fait. Donc, vous connaissez le président, l'esclave de la loi, esclave des règlements intérieurs, esclave de la Constitution. Donc, nous faisons point à point de droit. Bon, la conférence des présidents va avoir lieu demain à 11h. Donc, après la conférence des présidents, c'est la conférence des présidents qui a décidé la plus prochaine séance. Et répartition commission fait à travers différents blocs. Vous voyez, et chambre, disons, bloc majoritaire là, il y a effectivement 13 commissions. Le bloc GPEP gagne 2 commissions. Le bloc GPS gagne 2 commissions. Et le bloc OPLVIT et Allié gagne 3 commissions. Toutes les commissions qui gagnent en tant que député, mais nous connaissons très bien, c'est vrai, ils ont fait valoir et droit payo, mais malheureusement, ils n'ont pas participé dans la séance qui a loué avec eux. Ils n'ont pas là, donc les choix ont déjà fait. Donc c'est ça qui fait que ils n'ont pas tenu compte de revendications. Mais justement, on te dit revendications pratiquement injustes. Est-ce que quand même on parle de revendications qui sont justes, c'est des revendications qui demandent
éthique et anticorruption. Nous avons un député Florestal qui est président de la commission justice. Nous avons un député Gandhi Dorfeuil qui est président de la commission des finances. Nous avons Jean-Michel Moïse qui est président de la commission des affaires étrangères, des affaires sociales. Nous avons la commission intérieure, c'est la commission qui appartient au bloc GPEP. Nous avons également la commission agriculture qui est présidée par le député Samuel d'Haïti. Donc, nous avons également la commission conditions féminines qui est présidée par le député Gladys Saint-Jean. On est sûr que ça y est.
pénal là pour des sanctions contre les gens qui ont passé les gens. Et nous venons avec pas mal d'autres dispositions. De combien? Et ça nous baille. Nous travaillons sur toute loi 7 septembre 61. Dès 13 novembre, nous faisons des propositions pour le Parlement vienne voter le Kounia comme un texte.
capacité pour maîtriser le sujet, pour faciliter le gouvernement atterri dans le pays. C'est quoi le fond du problème? Je dis à ce ministre qui a 24 mois, plus que 2 ans dans tête au ministère, qui a chaque année un programme d'investissement public qui est la coordonnée, qui a un fonds qui héberge la CAILI pour le développement et l'aménagement du territoire local. Et 24 mois après, par une grande commune, par une grande section communale qui bénéficie de 11 centimes. C'est de ça qu'il s'agit. Dans l'article 38, loi sur élaboration et exécution des lois de finances en Haïti, il dit clairement comment transfert de crédit au café l'a porté au niveau des conseils des ministres et par arrêté du conseil des ministres. Suite à une information qui a cheminé aux commissions. Des deux chambres, eh bien, qui est capable d'une force exécutoire. Et ça, ministre va comprendre, c'est que si c'est un monde qui maîtrise la capacité, il y a besoin que la collectivité, que le gouvernement, que l'État haïtien, eh bien, une possibilité pour l'exécuter le projet avec collectivité, qui a justement posé le dossier ça auprès du Conseil des ministres, parce que 24 mois après, on n'est pas capable de gérer un fonds public. 24 mois après, deux exercices francs, par contre, on centime qui bat aucune collectivité, aucune mairie. Deuxième, troisième point dans question, c'est un outil à viol pour faire chantage politique. Chantage, parce que nous connaissons comment M. Saïe, c'est justement recevoir dossier parlementaire eh bien, pour le passer à travers vos communaux. Je dis à PENAM, nous dit non, pas d'accord, et ça fait nous demander justement rapidement, Jean Coudet pour te débouter ministre, parce que tout dossier, ministre a violé, vous avez coup de compte, tout retourné pour. La loi tapée. Ça veut dire son ministre qui passe, c'est mon pas bien conseillé, ou pas qu'à voir le dossier comme ministre de la planification, mais pour des comptes depuis 24 mois, pas de ministre qui a agréé. Comment ça veut dire? Ça veut dire comment sortir les conséquences de l'incompétence dans cette ministre de la planification? Comment, dans le Grand Sud, plus que 50 communes rasées par Mathieu, l'argent disponible dans le PIP là, on parle de communes qui ont fait 15 000 gouttes de cette année. On parle de communes qui ont fait 25 000 gouttes. On parle de communes qui n'ont même qu'à payer ou employé. Tout ça, on a parlé. Et puis, au ministre de Port-au-Prince, on a dirigé planification. Ou bien deux exercices qui passaient sur vous, ou pas arrivé dès que c'est un centime. Et ça nous demandait, alors ça a précisé pour auditeurs, pour téléspectateurs, pour les gens qui ont fait de nous, c'est que le ministre de planification n'a pas un rôle de conception en rôle d'exécution. Même si arrêté 27 septembre 2017 là, bail justement autorité à l'ensemble des ministères pour exécuter programme et projet, mais le cas de loi organique du ministère de planification ont arrêté dans la hiérarchie des normes par cas, eh bien, abroger en loi, une loi organique qui est située du ministère de planification, qui dit clairement que le ministère de planification a un rôle de coordination, a un rôle de supervision, qui n'est pas qu'à conception et exécution, à qui le planification pour exécuter projet pour mairie, qui va exécuter projet pour projet pâle, même si le ministère au café, mais la planification n'a pas aucune autorité légale pour exécuter le moindre projet pour aucune autre entité.
appel pour l'argent, on dit mon côté livre. Faut que nous moins que un mois, je te gagne ramasser plus passer 300 livres. Et après on te retourne un côté parce que nous avons besoin d'une volonté. Nous te dit demain ça nous va le faire. Nous avons équipe combi de bibliothèque, équipe combi de soleil livre, nous te joindre avec une dit mon idée fou. Comme on dit toujours gagne idée fou nous pour entendre parce que nous te fait que soit exécuter une idée fou qui te fait un document positif de Cité Soleil. Parce que nous-mêmes, en tant que monde Cité Soleil, nous avons grandi, littérature Cité Soleil n'a pas paraître belle pour nous. N'importe recherche que nous faisons, sur Google, n'importe qui nous mette tel, fait après. C'est patras, c'est violence, c'est âme, c'est ça qui représente nous. Mais ça nous fait que nous connaissons, ça c'est pas nous-mêmes. Peut-être son parti dans la communauté. Et nous espérons son parti de transitoire, son parti qui a passé comme ça. Mais voyons nous-mêmes, c'est identité non, c'est question de bibliothèque, c'est question de connaissance, c'est question d'éducation, c'est question de l'école. Et M. Damien te dit, on vient un côté collé avec Tata Haïti. Et bien, nous te venons avec une petite boîte, nous te ramasser 5 gouttes, 10 gouttes de menu pour nous faire un magazine qui est listé sur les 50 bits. Nous mettons une petite boîte là-bas, nous disons qu'il y a une bibliothèque là. Et à l'époque, Benson Barr, nous avons une petite boîte, mais même 2000 gouttes, comme qui était là. Et nous disons, comment nous disons, pour la bibliothèque là. À l'époque, nous avons besoin de ramasser seulement 600 000 gouttes pour nous acheter un cahier sous WAF là. Comme nous avons moins que 10 semaines, nous avons besoin de 600 000 gouttes là. Nous avons marché Brooklyn, nous avons Boston, nous avons Bois-Neuf, nous avons Delecou, nous avons sous WAF, nous avons Haïti, nous avons en pleine, nous avons tout le monde pensé que 600 000 gouttes là. Et la population a commencé à poser la question, mais qui compte la bibliothèque ça va lier? Nous disons bibliothèque la balle sous WAF parce que c'est là qui gagne rêve. Nous disons non. Nous avons besoin de gros bibliothèque. Nous avons besoin de plus gros bibliothèque qui jamais existé dans le pays d'Haïti. La population a parlé. Et nous avons besoin de bibliothèque qui se pose situer au centre. Soleil pour n'importe qui monde, n'importe qui direction au programme pour arriver là. Avec la mairie, je dis comme ça, on a besoin de jouer dans l'espace, identifier l'espace pour nous bailler pour projet ça, parce que nous avons ramassé quoi bio. Et bien, là, ça nous a ouvert 4 combits là, nous a dit, nous faisons un projet de la population de Cité Soleil et les amis Cité Soleil. Et bien, je vous dis, nous sommes 52 semaines depuis nous commencer projet ça. Nous commençons campagne ça. Nous avons ramassé 3,4 millions de gouttes dans 52 semaines. Nous avons ramassé plus de 7 000 livres. Chiffrement bon, vous êtes là, c'est donateur, parce que c'est lui-même nous plus fiers de lui. Nous avons 3 923 donateurs dans le moment où on a parlé avec vous là. 3 923 mounes qui baillent Kobio, qui baillent Livio, pour projet sa fête. Mon Cité Soleil a voué un message à tout le reste du pays d'Haïti. Changement pays d'Haïti, c'est le peuple qui a fait. C'est nous qui a fait. C'est les citoyens qui ont une vision, c'est les citoyens qui a fait. Nous avons moyens pour ça d'ailleurs. Les projets arrivent, je me suis dit, avec Roby Teddy, pour moi, c'est une opportunité liée. Pour moi, c'est chance que la communauté a pour moi, pour me bailler de temps et pour me bailler connaissance de la communauté. Je dis, c'est la merci et je dis merci pour ça, pour tout ce bon moyen. Je nous ai là, c'est. Vous avez regardé l'image là? C'est la bibliothèque là. Mais c'est nous,
ce n'est pas une fin en soi, c'est le début d'un partenariat. Nous sommes ici présents aujourd'hui pour ouvrir le centre, qui, je l'espère, changera ou améliorera les conditions de vie dans la communauté pour donner plus de travail à tous les collecteurs. 17 years ago, I received the greatest gift of my life. 17 ans de cela, je recevoir le plus grand cadeau dans la vie. Many people may think money or a gift of material wealth, but it was not. En plus, mon ta pensé que l'argent ou bien un cadeau qui a une pile valeur matérielle, une pile valeur économique, mais c'est pas ça le cas. 17 years ago, a daughter was born to me that has special needs. The gift that I was able to receive was becoming the great person who could love and see, enjoy and celebrate the gift in every human being. Today, the center is here today, all of these people, all of the gift of the community is here today because of my daughter, Ella. The center is not just a center for economic prosperity, but an opportunity and a gift to see the beauty in every individual amongst us. Of the puzzle that makes all of humanity, because without them, the entire picture is less. Thank you. Salubrité ça pour le diminuer parce que vous allez récupérer en échange vous connaissez à venir un petit chocho j'en nous disant ça pour porter une petite amélioration pas de vraiment grand gestion parce que normalement les gens qui consomment on connaît que par des poubelles un peu partout nous l'avons plus ou moins la gueule dans la vie et quand il y a les ouais, que ou bien les apprendre que il y a un centre qui va faire transformer son objet plastique ça et non seulement la portée objet plastique là, mais il y a balle en monnaie d'échange en retour. Ça qui fait que gestion, Kounia, nous avons dit qu'il va plus ou moins assurer parce que Kounia, maintenant, à chaque l'aile où il y a un objet plastique dans la rue, la mettant dans le puisque nous connaissons plastique bank là, il fait transformation objet plastique, eh bien, bon brûle, mais on peut chalpa lou, ou bien encore, si nous avons quantité, nous pouvons aller. Ma vie nous a échangé et tout. Ça connaît centre et place pour nous. Mais pour la première fois, je passe plus en tant qu'handicapé. Même si je me place mal pour toute une communauté en tant
ensemble pour toute communauté pour apprendre le travail, pour voir côté nous fait faire un mouvement capable travail communautaire capable faire en l'autre pour qu'on ait bel principe pour apprendre ça n'a fait très important pour Haïti capable avancer plus devant. Président Jovenel Moïse. Bravo, bravo. Président Jovenel, nous-mêmes, la coordination de l'Ouest, plateforme politique Réponse Paysan, nous voulons faire qu'on est. Nous faisons un bloc solide pour courir, encourager, pour continuer travail, pour porter la vie meilleure pour Massio. Nous-mêmes, coordination l'Ouest, plateforme politique, réponse paysan, nous étions jécalés à Tonne, caravane changement qui est pour venir dans le département l'Ouest pays. Tant coup, t'es sèche, Captain Labli. Excellence. Tomazo, Tescoff, Akaye, Lagonave, Corillon, Grandbois, Grandguave, Tiguave, Léogane, Pétionville, Gressier, Delma, Calfou, Elatrier, sans nous pas oublier. Premier, deuxième et troisième circonscription Port-au-Prince. Président Jovenel, Jésus Poco, j'aime clair, pour compter gros pion, ou comment se poser sous route changement après presque yon l'année. Félicitations, Président Jovenel. Dans ce sens, coordination l'Ouest, plateforme politique, réponse paysan. Abdi, premièrement, vous commencez à programme courant 24 sur 24. Un dernier point, PIA, bravo. Production d'Iria dans la Tibonite. Bravo. Troisièmement, gros engagement gouvernement Moïse Lafontaine. Sans main pour combattre la tête, corruption à contrebande dans le pays. Bravo. Quatrièmement, coordination l'Ouest, plateforme politique, réponse paysan. À féliciter le président de la République là. Son Excellence, Monsieur Jovenel Moïse, pour volonté qu'elle gagne pour appliquer ce qui est écrit dans la loi PIA. Tant coup, la mairie l'y remobiliser avec tant d'autres avancements. Tant coup, loi sous finissement parti politique. Yo. Bravo pour nous finir. Coordination l'Ouest, plateforme politique, réponse paysan, comptez sous, dans ce sens,
résultats à commission médiatique militant dans le jour samedi qui était 27 janvier 2018 là sous ensemble revendication militant PHTK yo dans rencontre ça 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 vraiment désespoir et humiliation nous te discuté tout avec président Mézil sous renforcement PHTK dans 10 départements pays. Sous même point ça, nous avons tout profité et demandé président Yannick pour dirigeant PHTK faire formation pour militants partis premier tranche l'argent subvention l'État baila. Sous ensemble revendication militants PHTK. Mes réponses. Yannick Mézil, président de tenté by commission médiatique militant PHTK. Il dit, président Jovenel Moïse gen en pile volonté pour le travail. Et il promet, commission, il pral chita parler à président Jovenel sous ensemble revendication militant PHTK. Président PHTK a accepté tout pour les chita parler à tous les militants PHTK dans 10 départements PIA sans perdre du temps, mais il n'y a pas de date. Pour nous finir, nous demandons à tous les militants PHTK pour y être mobilisés. Comment on a été mobilisés jusqu'à ce que le gouvernement de la Fontaine, allez à tout argentin qui la donne yo. Et puis, pour pouvoir retourner d'une jeune PHTK sans perdre du temps, n'a pas rappelé autorité yo, tous les outils nous te utilisé pour nous te bailler bataille en face privé avec acolyte Lyo pour nous te prendre pouvoir, nous pas vendre outils ça yo. Outils ça yo toujours là. C'est serré, nous serré yo. La guerre avertie. Patrouille de côté. Nous vendons outils, nous pas oublier métier. Vive Haïti. Vive PHTK. Vive bataille militante. Remercier toutes autorités, notamment président, ministre, premier ministre qui devine ouvrir là avec nous, qui devine remercier tous les jeunes dans la zone et leaders sociaux dans la zone qui débattent tout appui, qui devine féliciter les populations qui sont dans le sud, notamment les gens qui passent en pile misère, qui dépassent pour nous. Donc nous disons aujourd'hui à nous remettre au route là. Il y a d'autres travaux encore pour nous faire. Donc l'essentiel c'est que qu'on y a circulation en parle facile pour eux, moi dire tout le monde merci. Avec bénédiction président, qui ça veut dire? Ça traduit que le président et lui l'intéresse tout dans l'ouverture. Ça traduit le débat tout subvolu et lui saute dit là, jeune dans la zone, il va le comment pour faciliter bon là c'est autre monde, jeune travail pendant que la caravane a passé. Ça traduit tout le monde canal, il va finir, il va chercher corps pour
politique, 96 hommes d'affaires, tous proches du Kremlin et dont le viseur des Américains. Si elle n'entraîne aucune nouvelle sanction, cette liste noire à valeur d'avertissement, elle cherche à punir le pouvoir russe pour son ingérence présumée dans la dernière campagne présidentielle américaine. Le département du Trésor épingle même le premier ministre russe, Dmitri Medvedev, le ministre des Affaires étrangères ou encore responsable du renseignement. Après avoir plaisanté se disant vexé de ne pas figurer sur cette liste, le président russe a qualifié cet acte d'absurde, mais préfère jouer la prudence. Quel est le but de ces actions? Je ne comprends pas. C'est manifestement un acte hostile, et cela complique les relations russo-américaines alors qu'elles sont déjà difficiles. Nous préparons de sérieuses mesures de réciprocité, même si nous nous abstenons de les lancer pour le moment. Cette publication intervient alors que Vladimir Poutine est en pleine campagne présidentielle pour sa réélection en mars prochain,